Yo les potes, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Multiversus. Le jeu vient de sortir à 21h. Franchement, ils abusent de ouf. Je sais que c'est un jeu assez nouveau, c'est la bêta, etc. Mais 3 heures de maintenance, c'est abusé. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, le jeu devait sortir à 18h aujourd'hui pour toutes les plateformes PC, PS4, Xbox, tout ça, tout ça. Switch et iPhone, je suis pas sûr. Enfin, téléphone, c'est sûr que non, mais Switch, je sais pas. Mais en tout cas, 3 heures de maintenance, c'est abusé. En plus, le jeu il est sur Steam et sur Epic Games. Je sais pas c'est quoi le but, genre mettez-le sur une seule plateforme. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va découvrir le jeu, on va tester le nouveau personnage. Et voilà. Premièrement, on va regarder les actualités. Donc là, les gars, c'est les packs du jeu. Donc le standard, le deluxe et le premium. Et si vous achetez le premium, vous avez évidemment les deux autres gratos. Hop, le pré-saison Battle Pass. Donc ça, les gars, c'est le petit pass de combat où il y a que 15 paliers. Donc il est disponible jusqu'au 8 août. Donc ça va pas être long. Dans une semaine c'est fini. D'ailleurs ça c'est pareil, je pense. Après la bêta ça sera fini. Ça c'est des skins d'été, mais bon, ils étaient déjà disponibles avant. Et ça c'est la rotation des personnages gratuits. Ça on va en parler, c'est n'importe quoi. En gros, chaque mise à jour, il y aura 4 nouveaux personnages gratuits. Certes c'est cool, sauf que le problème les gars c'est que moi, par exemple, elle, je l'ai acheté, et lui aussi d'ailleurs. Le chien et elle, je les ai achetés, sauf que maintenant ils sont gratuits. Donc c'est débile. Après vous me direz que quand ils redeviendront payants, bah au moins je les aurai déjà vu que je les ai déjà achetés. Mais quand même, genre par exemple, regardez, Wonder Woman, je l'ai niveau 8 et je peux plus la jouer. Voilà. Parce que Wonder Woman, elle faisait partie des personnages gratuits et maintenant elle est payante. Comme Sammy, là, comme Jake et comme Taz, maintenant ils sont payants. Voilà. Donc c'est vraiment débile. C'est vraiment très très débile. Du coup, le nouveau personnage qui vient de sortir, c'est LeBron James. J'ai fait une seule partie avec lui, et c'est le pire personnage du jeu, mais vous inquiétez pas, je vais faire un gameplay juste après. Mais le personnage est nul, les gars, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les danses qu'il a, une danse de basket et une salsa. Ses nouveaux skins, donc c'est en mode cowboy, pour 800 gemmes. Et si vous arrivez niveau 15, vous allez avoir une icône de bannière LeBron James, et un badge de victoire. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc vous avez des petits défis, hein, pour ceux qui savent pas. Vous avez 6 défis par jour qui sont très durs, donc s'ils sont pourris, changez les missions. Comment ça, moins 100? C'était gratuit avant. Bon, je sais pas, c'est ok. Et vous avez aussi des défis impossibles qui sont super longs, genre esquiver 100 trucs, faire 125 assistances. Frère, c'est long de ouf. Et donc vous allez avoir des petites récompenses. Voilà, des petits skins exclusifs. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. On a tout vu. Ouais. Donc on va partir en game tout de suite. Hop, en normal. Donc j'ai déjà débloqué LeBron James. Il est juste là. Hop. Et donc c'est parti. Je pense que j'ai rien oublié de vous montrer. Ouais. Donc let's go. Par contre, je pense qu'on va tomber sur énormément de LeBron James, les gars, malheureusement. Parce que c'est un nouveau perso. Donc comme c'est un nouveau perso, tout le monde veut l'acheter. Ok, bah le mec a quitté, c'est un rageux. On relance une partie. Hop. Et le skin est un peu buggé, genre il se téléportait bizarrement. Enfin, le jeu. Avant là, aujourd'hui, parce qu'avant il y avait une autre bêta, mais que pour les joueurs PC, et moi j'y ai déjà joué, vous avez vu, j'ai fait des vidéos. Et bah le jeu était parfait, il buggait pas et tout. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que bon, ça va être un peu la galère. Mais bon. C'est pas grave, on va tester. Hop, du coup j'ai un petit atout. Les atouts d'ailleurs, bon, il y en a qui sont bien, mais en vrai je sais même pas c'est lesquels les meilleurs atouts. Faudrait faire une vidéo où on met tous les meilleurs atouts, etc. Bref. Du coup LeBron James d'ailleurs, le personnage il est nul parce que genre tu peux lui mettre 200 de dégâts, il se fera pas éjecter. En gros si vous savez pas, au-dessus de 100 dégâts, en gros plus tu tapes l'adversaire, plus il prend des dégâts. Et au-dessus de 100 dégâts, en fait, tu peux éjecter le personnage et donc gagner un point. Sauf que LeBron James, tu peux lui mettre 200 dégâts, le perso ne se fera pas éjecter. Genre vraiment, vous allez voir dans la game si jamais ça se passe. Parce que tout à l'heure j'ai fait un 1v1, ma première game de la mise à jour, 1v1 LeBron James contre LeBron James. Le mec était déjà niveau 4, dans 14 je crois. Enfin normal quoi, moi je suis niveau 1, ils me mettent contre des joueurs pro. En plus, regardez, depuis tout à l'heure, je lui ai mis plein de coups. J'ai que 48. Lui, il m'a mis rien du tout. Je suis à 52. C'est un truc de ouf. Ce jeu est mal fait.
Parce que pour ceux qui savent pas, chaque personnage a des poids différents, ça veut dire qu'ils seront éjectés plus facilement ou pas. Par exemple, la Harley Quinn, tu lui mets un coup de poing et elle se fait éjecter. Et le robot, par exemple, tu lui mets 10 000 points et il se fait jamais éjecter. Et il y a aussi des personnages qui sautent plus haut, qui vont plus vite, enfin c'est dommage en fait. Certes, les attaques c'est cool qu'elles soient différentes, mais ils devraient mettre des stats globales quoi. Genre là, regardez, je me fais défoncer la gueule. Parce que mon personnage il est gros. Et voilà, j'en étais sûr. Je vous ai dit, LeBron James c'est nul. Et en plus, je tombe contre un tryharder là qui fait trop le fou. En plus, je connais pas les touches, donc bon. Première fois, je joue super. Regardez, il me combo parce que LeBron James est nul à chier. Tiens, bolos. Tiens. Hop, voilà. J'ai déjà pris 52 dégâts, on sait pas comment. Le mec a mis un coup d'épée. Moi, je lui ai mis 10 coups de balle en basket, il a que 20. En plus, il me tape à l'envers. Mais frérot, mais pin ta mère la reine des choses. Sale chien. Par contre, je vais beaucoup insulter, mais c'est normal. Ce jeu, c'est l'un des jeux qui me fait le plus rager du monde, frérot. C'est un truc de ouf. Regarde, regarde. Et voilà. Voilà. LeBron James pue la merde. On va faire une deuxième partie pour bien vous prouver que le personnage est nul. Je veux pas rejouer contre lui, bon, parce que c'est un petit cancer. Par contre, commencez pas à dire dans les commentaires que ouais, t'es nul et tout. Non. Je suis pas nul. C'est la première fois que je le joue. Donc forcément je sais pas le jouer. Et en plus de ça, le personnage est vraiment nul. Genre vraiment nul. Vous avez vu, je me suis fait éjecter en 2 secondes. C'est pas normal. Ça c'est vraiment de l'injustice. Bon là je sais pas, on est contre qui? On est noob master. Hop, c'est reparti. Je vais vous encore montrer. En plus là c'est un mec niveau 1 qui s'appelle Noob, qui est sur Xbox. Donc si je perds, ça veut vraiment dire que le perso est nul. Trois ans plus tard, vas-y mec, prends ton temps, on a que ça à faire de toute façon. Oh là là, les gens sont débiles. On sait pas ce qu'il fait là, le mec, il veut pas se mettre prêt. Waouh, t'as mis du temps dis donc. 40 secondes pour rien faire. Le mec a même pas d'atout. Oh là, c'est un truc de ouf. N'importe quoi. Bon, j'ai eu le temps d'améliorer des canons sur Clash Royale. Ah non, Clash of Clans, pardon. Qu'est-ce que je dis, moi? Vous voyez? Regardez! Regardez! Je me fais bolos. Je lui ai mis plus de coups et il a que 30. C'est vraiment un personnage de merde. Oh là là, il pue la merde! Mais LeBron James. Là, je le joue pour la vidéo. Ah, mais après, je le retouche plus jamais de ma vie. J'aurais jamais dû l'acheter. Mais nique ta mère, mets des coups de poing, toi, sale bâtard. Mais arrête! Oh, sale raciste. Tout ça parce que je suis LeBron James, tu me tapes. Je vais pas dire d'autre chose parce que bon. Bon, après la vidéo, par contre, je vous dis, il va finir aux oubliettes lui. Je vais jamais le rejouer de ma vie. Puis la merde. Putain, j'ai dépensé des pièces là pour débloquer ce LeBron James, pour vous faire une vidéo, pour vous faire ouais, gameplay LeBron James. J'aurais jamais dû, frérot, il pue la merde. Moi je suis gentil et tout avec vous, je le débloque pour pas que vous ayez à l'acheter. En plus il a même pas de super pouvoir, genre en mode il a que un ballon de basket et il tape les gens, voilà. il a pas de, genre en dessous de, vous voyez en dessous des chiffres en gros c'est, non bon y'a rien mais normalement il y a des temps de recharge pour les pouvoirs et tout. Et chaque perso a 2 ou 3 pouvoirs, le LeBron James il en a 0. Bon par contre, elle veut pas mourir cette chance. Putain, le mec il a jamais joué de sa vie, Noob Master là.
C'est vrai en plus parce que le jeu il était pas disponible sur Xbox. C'est-à-dire c'est la première fois qu'il joue et il me défonce alors que moi ça fait 2 semaines que je joue. Comme quoi LeBron James il est vraiment nul. Bon, par contre la vidéo c'est un peu une vidéo de rageux. Je fais que de rager et de mal parler. Vous inquiétez pas, je suis pas comme ça tous les jours. Là c'est normal, il y a un perso un peu nul, j'ai le droit de rager. J'ai dépensé des jetons les gars pour acheter ce truc pourri là, LeBron James. Non vraiment par contre je le rejouerai pas. En plus je voulais le jouer, tu vois, vu qu'il vient de sortir le perso. Je me suis dit, bah je vais le jouer comme ça tu vois, je pourrais top monde, meilleur joueur LeBron James. Vu qu'il vient de sortir le perso. Mais non en fait, jamais de ma vie je vais jouer à ce perso de merde. Je vais reprendre ma Harley Quinn. Même si bon maintenant ils me la mettent payant, c'est gros rat. Putain, je parle pas depuis tout à l'heure là. Hop là, 2-0, facile. Et vous voyez, regardez, j'ai 168 PV. Le mec ne peut pas m'éjecter parce que LeBron James est gros. LeBron James est obèse. LeBron James a un gros ventre. Donc les gens ne peuvent pas me jeter en l'air. Voilà, tout simplement. Donc c'est trop cheaté. Mais en même temps, il est pourri. Le personnage est pourri. Donc 2-1. Voilà, il est pourri. Et 2-2, il se fait pas éjecter. En fait, c'est juste un tank. C'est juste un gros tank. Donc voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. On a bien ragé, mais bon, c'est ça qui est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code CREATOR NQ sur tous les jeux vidéo. Et sur ce, ciao les bambinos.